sulla mano su. Tranquillo, tranquillo. Bravo Farzana. Et c'est une des meilleures excursions avec les dauphins. Hein. Et oh, on est parti. Donc là, c'est juste qu'on a beaucoup plus de route que les autres jours. On a une, on a 53 minutes. Regarde. Mais... du coup, il y a Catherine à la radio là. Ah, t'as vu, je lui dis merci, toi. Oui, Ken, je dire merci. Là, il y a un temple hindou, je sais pas si vous voyez. Ah, il y en a partout. Ouais, les gars, donc tout se passe bien pour nous. Non, juste il pleut, mais apparemment ça va partir un peu. Donc, on a beaucoup de pluie hein, à Maurice. Mais ça va, il fait pas froid, donc bisous, à tout à l'heure. J'en dis pas trop parce que vu qu'on est déçu par les plages, mais j'espère que ça sera un peu mieux quand même. Oh, il lui dit de passer. Oh, regardez comment il est trop gentil avec les gens. C'est vrai que c'est dans ma nature. Non, j'ai... C'est le plus beau, celui-ci c'est un 4 étoiles, donc on monte d'une étoile et ça se sent, il est sublime, vraiment. Bonne journée. Jour 4, ça commence avec une randonnée. Attends, il y a une structure là. Brabant, et c'est la montagne sur laquelle tout en haut on voit toute l'île dans son ensemble. Donc on en a pour 3,5 km.
Voilà les amis, on a fait sur le petit bateau pirate. Et nous on m'a fait une surprise. C'est mignon. Les amis, on est parti voir une cascade sous-marine, une cascade tout court. Donc on a quitté le bateau pour aller voir une cascade. Et là, elle fait cette tête voilà. parce que elle vient de me faire mieux sur le bras, mais je suis salé. Voilà. Ah, elle est là-bas, quand même. Franchement, un décor un petit peu à la Jumanji, là, pour le coup. On s'y approche. Je vous dis quand on sera un peu plus frais. Lino, regarde. On voit rien. Alors cette cascade. Bah c'est pas la fin. Non mais après la disposition a changé. Là on la voyait vraiment d'en bas. Elle était petite mais large. En fait elle était un peu obèse. Ça va, on a eu des. Ça a fait toujours des beaux clichés. Hein. On a de belles petites photos quand même. Vraiment pas mal. Sympa mais genre voilà. Je dirais 5 sur 10. Maintenant normalement on retourne au bateau et on va sur l'île aussi. Ouais. C'est ça le problème de faire en fait, de faire mieux, à la fin on devient exigeant et ça si c'était genre la première cascade que je voyais j'aurais dit waouh. Mais là du coup non, on est devenus des experts. C'est ça. Bienvenue. À l'île au cerf. J'espère qu'il y a des cerfs. Là, je pense qu'on a fait plein pour toute la famille, les gars. Toute la famille. Regardez, il a match sans bijoux avec ma bague. Et bah voilà. Comment on arrive à ministère là. David, c'est beau, hein. Ouais. T'es en gros zoom là, non? Ouais. Là, on voit tout le monde à l'intérieur, non? Oui. On voit tout le monde. Bien. Oui. Et voilà, les amis, c'était une superbe activité sur l'île des cerfs. C'était super nickel. Et nous? C'était super nickel. Oui, c'est en cool. Fait, on est arrivé sur l'île. Bon, il faisait pas trop beau. Mais bah, du coup, on s'est posé dans un petit coin et puis on a dormi. Ouais. Littéralement, on devait faire du parachute ascensionnel ou de la bouée tractée, mais on s'est endormi. Mais c'était quand même sympa. On a plein de souvenirs, comme il vous l'a précédemment montré. Et voilà. En soi, on va pas se plaindre. Voilà, c'est voilà. Pas genre le coup de cœur, mais l'eau était plus claire. J'ai vu mon eau transparente. Ouais, c'est vraiment dommage qu'il manquait du soleil quand même. Il manque des paysages, quoi. Je sais pas. Ouais. Il manque un truc. En fait, il manque du charme à cette île. Voilà. Voilà. Mais c'était bien. Et là c'est direction demain, dernière excursion. Demain dernière excursion. Là ouais. C'est direction l'hôtel pour chiller. On a 20 minutes de route à peu près. Un petit peu plus élevé. Bon bah voilà les amis. On va chiller et on va normalement on va passer une très bonne soirée et une très bonne matinée puisque demain l'activité est l'après-midi et on a rien à faire le matin donc c'est un bel hôtel normalement on va passer le matin à l'hôtel voilà. Regardez la petite voiture qui nous attend. T'es fatigué ou quoi? Voilà, la voiture qui nous attend. Dis coucou la voiture. Coucou.
Bon les amis, on est arrivé à l'hôtel. C'est ça, là on est parti garer la voiture, on a été escorté et tout. Pour l'instant ouais, on a vu qu'il y avait bagagiste déjà, donc là ça fait plaisir. Ouais. Toi je pense que... Ça soulage le dos, comment vous dire que les bagages, la valise est plutôt lourde, donc... Ça va être une surprise, surtout pour monsieur. Moi, en fait, moi aussi j'ai regardé, enfin j'ai loué, mais... Enfin j'ai... Quoi, elle a regardé à la vie. Ouais voilà, j'ai réservé mais je m'en souviens plus. Non j'ai pas regardé à la Vidken, c'est juste que je m'en souviens plus. Mais je sais que j'ai réservé quelque chose de bien. Donc surprise hein. Mais pour l'instant on est bien accueillis et c'est très mignon. Regardez, il y a un marché Noël avec plein de restaurants. Oui parce que c'est Noël. Des restaurants. C'est trop mignon. Voilà, on est accueillis comme il faut dans ce fameux hôtel. C'est des biscuits, on va goûter. Bon bah on est bien accueillis. Allez. Ok c'est parti, alors on a raté le début mais madame vient de... Nous sommes dans le plus bel hôtel normalement de notre séjour pour bien finir et bien se reposer. Donc on va le découvrir même si monsieur a découvert avant parce qu'il est c'est trop pressé. C'est pas vrai, alors, je vous fais sa réaction parce que je voulais avoir sa réaction directe. Il a fait... Oh putain. Là c'est des toilettes les gars, c'est des toilettes séparées. Il y a un room service 24/24, je vais faire une insomnie à 3h du matin et commander à manger. Allez, il y a des miroirs partout. Moi j'aurais ta réaction. Waouh! Ah, en fait, j'ai déjà des bêtises de moi sur le lit. Tu vas les mettre dans la baignoire? Salut toi! Salut toi, de nouveau! Mais c'est incroyable! Mais il y a un banc dans la douche! Il y a encore un miroir! C'est incroyable ça! C'est vraiment sympa! Les gars, des pétales de rose sur le lit et tout? D'accord, franchement, on est. Ah ouais, ça plaisante pas! Bon, frigo je crois, il me semble. Il y a un banc dans la douche. Bingo. Oui, c'est ce que je viens de dire. Où tu vois ça? Petit bureau sympa, petite télé sympatoche aussi. Je sais pas, vas-y, tu sais quoi? Ça fait longtemps qu'on a pas fait ça, mais... Fais un saut vite fait. Attends. Ok. La salle de bain, c'est la pièce principale, genre j'ai... Vas-y, je vais te donner. T'es prête? 1, 2... Merde, il met du sable partout. Non mais les amis, on en arrive au point que si on a un souci, un trou dans un vêtement, on peut le recoudre. Il y a... Pourquoi c'est flou? Non c'est flou. Il y a un kit, un étui à couture. Et voilà un jour de moins sur l'île Maurice. Donc on a fini de faire nos affaires. Ouais. Le bagagiste vient juste d'arriver, donc on lui a donné nos bagages. Et puis voilà. Donc là, le programme c'est que on va attendre. On va attendre patiemment avant de décoller du coup, au sens propre du terme. Puisque cet après-midi nous prenons l'hélicoptère. Voilà. Pour voir un dernier paysage qu'on ne peut voir qu'en hélicoptère sur l'île Maurice et qui n'existe qu'à l'île Maurice. La suite dans le prochain. Mais c'est pas très connu donc je pense pas que vous voyez de quoi on parle. Mais c'est unique au monde, les amis. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Enfin, dans un instant. Dans pas très longtemps. Il verra ça dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Au montage, 2 minutes. Ça, c'est le buffet de l'hôtel. Il est immense. Salade de quinoa. Et ici, il y a tout de salé. Pour aller sur la piste et monter dans l'hélico. Voilà les gars, donc on est arrivé, on a eu nos consignes. Regardez, on entend l'hélico là déjà. Regardez, il y en a un qui atterrit. Donc en fait, pendant la consigne, ils nous ont briefé un petit peu sur nos places. Donc je suis à côté de Fanny. Ouais. Et donc il y a une place à côté du pilote et oula, trois places derrière. Oula! Leurs souvenirs en forme de bracelet, donc ça change.
sympa.